Salut à tous les amis, c'est Dr Play, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft en compagnie de personne, hein. Forcément il n'y a personne, hein. Et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Checkpoint. Alors ne me demandez pas ce que c'est ce nom, j'aime bien ce nom quand même. Voilà, c'est un serveur en 1.13.1, hein, bien 1.13.1, donc c'est la toute dernière version. Un serveur bah, avec des plugins, mais bon. Disons que c'est pas c'est en plus un serveur survival. Survival entre en s'entraînant en fait plutôt. Il faut s'entraider un petit peu des fois ou autre, mais voilà. Et donc du coup, bah, petite survie là-dessus. J'ai déjà commencé un peu la survie, comme vous pouvez voir. Et installé, alors j'ai aussi installé un petit ressource pack, mais je pense que je vais changer dans le prochain épisode. En gros c'est des ressources pack 3D, comme vous pouvez voir, qui est en 1.13 aussi. Voilà, bon, moi j'ai là-dedans, forcément, voilà, même la table de craft est en 1.13, oh putain, attendez, en même temps j'essaie d'enlever ça, voilà. Et voilà, même les légumes, même le blé, tout ça est encore en animation 3D, la canne à pêche aussi d'ailleurs. Alors que bah il y a tout un peu qui est en 3D, même le plafond. Alors je peux pas retirer le plastron parce que on m'a passé un plastron et des bottes, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait des malédictions du lien éternel dessus, et du coup je peux plus les enlever, c'est génial, hein. Donc là c'est ma petite parcelle. Hop. Et même la porte, je crois qu'elle est en... ouais, elle est en 3D, hein. Même les barrières sont en 3D, c'est nickel. Et même l'herbe, bon, l'herbe ça fait un peu... J'aurais trouvé mieux dans l'air, mais bon voilà, c'est toujours mieux que rien. De toute façon, je vous ferai montrer en haut à droite ou en haut à gauche, ou alors au milieu de l'écran, des images que j'ai pris en screenshot lorsque j'avais l'autre ressource pack en height, donc en volume haut, tu vois. Parce que... Et puis voilà, donc, du coup j'ai baissé un peu le volume parce que ça lag un tout petit peu quand même, en posant un bloc ou en le cassant, ça ramène un peu quand même, donc voilà. Bon là pour l'instant il y a quelques gens, donc si vous voulez savoir, le fondateur du serveur c'est Checkpoint, justement d'où le nom du serveur, Checkpoint, accompagné de Lenny15, donc si vous voulez aller faire un tour, ils ont Checkpoint a une chaîne Twitch que je vous conseille d'aller voir, et une chaîne YouTube aussi, donc il atteint bientôt les 1000 abonnés, donc tu sais lui faire dépasser les 1000 abonnés, ce serait génial, on a 900 et quelques, et après il a une chaîne Twitch, je vous enverrai ça aussi dans la description, voilà. Du coup, bah donc nous, on va aller faire notre petite survie tranquille. Des quêtes à faire, alors il n'y a pas de quêtes sur le serveur, c'est vraiment un début de serveur, ça fait quelques jours que le serveur est ouvert. Et du coup, bah, j'ai décidé de me mettre hein, là-dedans. Donc comme vous pouvez voir, même les rails sont stylés, même les rails c'est réaliste en fait, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que tout est réaliste dans ce ressource pack. J'ai quelques coups de latence, mais ça c'est normal, c'est parce que le serveur en fait ça qu'à sa tête. Même la gourde d'eau, elle est... Regarde-tout qui est stylé réellement, franchement, la TNT, je crois pas... Si, la TNT est un peu modifiée. Voilà. Même la lampe torche, il y a plein de trucs qui sont modifiés. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que du coup, vous n'avez rien vu, puisque c'est le premier épisode aujourd'hui. Et, il m'est arrivé plusieurs choses durant hier, enfin durant plus hier parce que c'est hier que je me suis connecté et c'est tout. Alors voilà ce qui s'est passé hier, ou même aujourd'hui d'ailleurs. Alors hier j'ai fait quelques visites parce qu'on a 1.13, on a des bateaux qui flottent sur l'eau, enfin des bateaux qui flottent sur l'eau, des bateaux, des navires de pirates qui sont échoués en fait plutôt, et on peut aller récupérer les coffres, les cartes au trésor, tous ces trucs là. Premier problème. Carte au trésor, j'en trouve une de carte au trésor, je me dis bon, je vais être content, il faut que je la trouve et tout, blablabla. Je vais au point, et là je vois qu'un joueur m'avait déjà récupéré le coffre au trésor. Génial, comme quoi il y aura peut-être plus. On m'a dit qu'il y avait plusieurs cartes au trésor. Alors, Mojang, s'il vous plaît, quand vous faites une carte au trésor, faites une carte de trésor pour un lieu, pas une carte de trésor pour. Enfin pas plusieurs cartes de trésor pour un lieu seulement, parce que après, voilà ce qui nous arrive quand c'est comme ça. Voilà. Deuxième chose, aujourd'hui plutôt, j'ai été faire une usine à XP Enderman que j'ai suivi sur YouTube, bah, pour m'aider un petit peu parce que je suis pas ouf en XP, hein, enfin je suis pas ouf en usine. J'ai essayé de trouver de faire une usine, j'ai fait une usine, sauf que j'ai merdé dans un coin. Donc il faut un Undermeat pour pouvoir faire spawner, enfin pour ramener un peu tous les Underman
vers eux pour pouvoir se faire énormément d'XP, sauf que j'ai raté mon coup, vous allez voir. Flash OM, vous allez voir par vous-même, j'ai complètement foiré le système. Attendez, on peut y aller là. Complètement foiré le système, voilà. En gros, c'est un système avec de la laine et tout, bon, de la laine de 20, c'était long. Hein. Et je vais vous dire pourquoi c'était long, parce que vous voyez tout le truc en haut là. J'ai fait 160 blocs pour arriver à un certain point, comme dans la vidéo, descendre jusqu'à la couche 0, et à la couche 0, refaire tout ça. Mais alors, le problème, c'est que vous êtes en survival, si vous n'êtes pas en créatif, vous ne pouvez pas voler. C'est très compliqué, j'ai dû mourir plusieurs fois, et je suis mort pour rien d'ailleurs, c'était une bête. Et le truc, c'est que les Endermen tombent dedans, et en fait, l'Endermite, il est au-dessus, et dans un rail, et puis voilà. Le problème, c'est que bon, j'ai raté mon coup, du coup, j'ai récupéré quand même 3 stacks d'Underpearl, mais pas plus. Donc, faut que je revoie la machine, ou que je demande à un admin de m'aider à arriver ce problème-là. Donc on peut avoir que 2 setomes sur ce serveur, ce qui est normal pour l'instant. Donc 2 setomes c'est largement suffisant, hein. Un setome pour votre maison, même si... je suis malade en même temps. Même si ma maison, moi, elle est à côté du spawn, donc si vous voulez au cas où y aller, regardez. Même si vous voulez y aller, toutes les carottes que vous voyez, tous ces trucs-là, je vous laisse du serveur, voilà, les coordonnées sont là. Si vous voulez, voilà, x, y, z, vous avez les coordonnées, hop, j'enlève, vous pourrez faire une pause en vidéo. Si vous voulez venir... quelques trucs chez moi, vous pourrez pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a un panneau qui est là, vous pourrez pas le casser parce que c'est mon panneau et c'est moi qui l'ai posé, voilà. Voilà, donc vous pourrez récupérer si vous voulez la canne à sucre ou autre. Moi de toute façon, pour l'instant j'en ai pas besoin. Quoi d'autre, j'ai eu quoi comme problème, non, j'ai pas eu d'autres problèmes après ça, hein. Pour l'instant c'est tout basique, normal, simple. Voilà. Mais après voilà, vous pouvez rejoindre un maximum sur ce serveur, ce serait génial pour lui faire un peu de pub. Je lui fais un peu de pub en même temps parce que bon, c'est vrai, entre tous les streamers, entre youtubeurs aussi, on aime bien se faire un peu de pub parce que voilà, bon bah il faut être sympa dans la vie, hein, c'est tout, hein, c'est tout bon comme ça. Hein. Voilà. J'ai aussi appris, alors là, tristesse absolue. J'ai appris la mort de Charles Aznavour. Ouais, c'est sûr, ouais. Un chanteur qui était reconnu dans le monde entier presque, hein. C'était un chanteur, j'aimais bien ce chanteur parce que j'avais déjà écouté sa musique il y a longtemps, hein. J'ai écouté sa musique parce que bon bah mon père me faisait écouter tout ça et tout, donc forcément c'est un truc intéressant à écouter, et puis voilà, et puis c'est toujours une musique intéressante, et je suis sincèrement désolé pour lui, que Dieu le bénisse, hein, dans le sens où voilà, qu'il repose en paix tranquillement là-haut, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est tout. 94 ans, c'était un bel âge quand même, hein. C'était un très bel âge. Voilà, bon, on va pas rester sur notre tristesse, voilà. Bon, depuis tout à l'heure, je fais rien du tout. Je vais vous faire montrer le spawn rapidement, je vais juste me nourrir parce que, bon, un camp de bouffe. On va aller au flash pod. Alors, le problème avec ce flash pod, c'est que voilà, ça fait ça, vous faites une deuxième, c'est tranquille. Alors, voici le spawn du serveur en question. Bon, c'est un petit spawn basique, simple, hein. Ne vous le faites pas, c'est normal, c'est fait exprès. Le serveur, comme je vous dis, ça fait que 2-3 jours, mais le serveur, ils l'ont laissé directement ouvert parce que voilà, les gens peuvent construire ou autre. D'ailleurs, un peu plus loin, c'est possible parce que bon, de toute façon, là, c'est délimité, donc voilà. Mais voilà, le serveur, il est en construction. Donc, celui qui vient de passer, c'est Shitcoin, justement, le fondateur du serveur. Voilà. Donc là, il y a... Alors, quand vous arrivez au spawn, quand vous arrivez dans le flash register comme d'hab, hein, c'est normal aussi. Quand vous arrivez au spawn, bah, le premier truc, c'est que tous les arbres qui sont devant, normalement, vous pouvez les casser. Je suis pas sûr, mais vous pouvez les casser normalement pour récupérer, récupérer les bois, commencer votre survie et tout. Mais au cas où, vous avez accès à ça. Alors, ah voilà, regardez, les blocs en 3D. Regardez, on les voit en plus les blocs en 3D. Stylé. Voilà, donc, vous pourrez aller à la farm XP qui a été fait là, mais qui va être modifiée encore, parce que bon, du coup, il y a plein de choses à faire encore. Voilà. Donc la farm XP qui est là, donc si vous voulez vous servir, bah, vous venez. Hein. La poubelle ici, si vous avez quoi que ce soit à jeter, bon, vous pourrez pas accès à ça, vous pourrez avoir accès à ça, vous n'avez pas accès à l'autre truc, donc c'est normal. Quoi d'autre, vous pourrez aller à la bibliothèque enchantée, mais je sais pas si on peut y avoir accès. Non, on peut pas y avoir accès. On peut avoir accès au coffre, mais on peut pas avoir accès à ça. Enfin, que je demande à Shitpoint de déverrouiller ça, si possible. Voilà.
Je suis arrivé comme pas possible, malade comme pas possible, voilà. Et puis voilà, donc après, bon, il va y avoir une bibliothèque qui est construite, je crois, quelque part. Donc c'était cette bibliothèque qui était gratuitement construite, il va y avoir plein de choses qui vont être construites aux alentours. Voilà, il y a même un bicôme qui est en au-dessus, les gens qui pourront y accéder quand même, je sais pas comment ça se passe, voilà. Ils sont en train de tout démolir la montagne, donc si vous voulez venir les aider aussi en même temps, ce serait super, ça ferait super plaisir, moi je vais commencer à leur aider de mon côté. Et voilà, donc ça, si vous voulez vraiment leur faire plaisir, vous allez les aider à détruire toute cette montagne. C'est en tout cas, c'est le but qu'ils veulent faire, en tout cas. Voilà. Ouais, même, regardez, même les minerais sont c'est nickel. Ça ressort, c'est vrai, c'est vraiment de la 3D, de pure 3D. Voilà. Et puis, c'est tout, je crois. J'ai pas eu de message, non, j'ai pas eu de message. D'accord, voilà. Pour l'instant, c'est tout, même. Comme quoi j'ai pris un truc de 3D, je vous enverrai au cas où le lien du texture 3D, donc vous pourrez l'avoir en plusieurs versions, ce qui est nickel. Je vous conseille au cas où, mais il est stylé, franchement j'aime bien. Bon après moi j'ai pris en lot parce que mon PC il en supporte pas pour l'instant, là en contraire il supporte pas correctement. Pour l'instant il faudrait que je voie ce qui se passe exactement. Voilà. Mais voilà, c'est juste ça pour l'instant. Voilà. Quoi d'autre pour l'instant c'est tout. Moi ce que je vais commencer à faire pour l'instant, on a perdu du temps, on a quand même perdu 10 minutes à discuter. Home maison, alors ce que je vais commencer à faire, aujourd'hui on va faire de la pêche. D'ailleurs je vais peut-être réparer ma canne à pêche. Bon les gens ils peuvent y avoir accès juste à verrouiller ça, ils peuvent faire accès. Sauf avec une underpearl je crois, mais pas sûr. Hein. Alors. Quiz, est-ce que j'ai de la ficelle? Des bâtons, est-ce que je peux faire ce que combien d'XP j'en ai 15, nickel. On va aller, bon, c'est une malédiction aussi. Ah oui, c'est une malédiction, mais bon, c'est une malédiction de tout perdre aussi. Voilà, même le plus gros, je vous le conseille vraiment. Voilà, alors c'est une malédiction, mais bon, pour l'instant je suis pas mort avec, donc c'est nickel, je suis pas mort avec mon stuff aussi qui est là, qui me bloque. Et pour l'instant c'est que le jour, mais ils vont remettre la nuit, vous en faites pas, c'est normal, hein. C'est pour l'instant, parce que lui il est en live en ce moment, si vous voulez savoir. Il est complètement en live, donc du coup moi j'ai décidé de faire ma petite vidéo tranquille, hein, en même temps, voilà. Et puis voilà, bon, commençons à pêcher, ça va être long, très long, mais normal. Pioche en diamant qu'on a là. Voilà. D'ailleurs c'est pas ce poisson là, donc je vais récupérer mon poisson que j'ai laissé dedans, qui est la morue. C'est de la morue. Là non, c'est de la morue. Tac, on va faire chauffer le reste de morue. Est-ce que là j'ai de la morue encore? J'en ai encore là, je vais en prendre un bon stack parce que bon. Voilà, underpair, on sait jamais. On est fait comment? On a plus de jambières du coup, j'ai plus de jambières. Ah non. J'ai des jambières. Oh, j'ai des jambières en janvier. Nickel. Ça sera toujours à faire.
Alors c'est voilà, c'est la carte trésor enfoui que je n'ai pas eu parce que du coup elle est nulle à chier. Hein, la carte trésor enfoui elle sert à rien du coup. Enfin elle m'a servi à rien en tout cas. Voilà. Et on va faire un petit bateau aussi. On va s'en faire un ou deux, peut-être un deuxième au cas où. On sait jamais. Ça vaut toujours le coup et on va garder le bois sur nous, on sait jamais parce que. Et je vais prendre des torches aussi parce que bon, des torches, la hache je peux la prendre, ça d'ailleurs je vais le transformer en fer. Je savais qu'on pouvait transformer en fer ça, donc c'est nickel. Voilà, une épée j'ai ce qu'il faut, une pioche j'ai ce qu'il faut, des flèches, bah oui parce que je vais pas pouvoir tirer sinon, eh oui je suis con moi. Des flèches, on est là, mais j'en avais hier, des flèches, on est un stack là, voilà, hop, oh, 9, c'est nickel, allez hop, on y go, bon là, c'est parti, donc en gros, on va essayer de découvrir un temple du désert ou autre, on verra, si on a de la chance, c'est parti, on va laisser ça là, voilà, on y va, c'est parti. F1 pour la chose aux alentours avec un casque sur la tête. Voilà. Enfin, même l'eau elle est stylée franchement. Bon, de toute façon si je trouve quelque chose je couperai la vidéo hein, pour éviter que ce soit trop long bien sûr. Voilà, vous aurez peut-être un petit truc assez stylé, on verra. Bon, ouais, les amis, on a dû s'arrêter du coup parce que bon, fin de l'eau, forcément. Bon, allez, hop, c'est parti. On continue à pied, on continue à pied. Là, là, là.
Désolé, je viens de remarquer un truc. Je n'ai pas de son. Ouais, voilà. Aïe. J'ai perdu, c'est nickel. Là, moi, je monte, je sais même pas pourquoi je monte. Alors, attendez. Cela, il faut vraiment qu'on trouve un truc intéressant à visiter. Parce que là, on va se faire chier, hein. Je vais pas vous mentir. On va ressortir ou pas? Ah, attendez. Ah oui, parce que j'ai remarqué aussi, les blocs remontent à la surface. Ça, c'est très beau. Voilà, allez hop, go. Quelqu'un est déjà passé par là pour le cube de terre qu'on est là. Enfin, même les nuits-phares, ils sont phénomènes. En 3D, j'aime moins. Là, on va pas nager loin, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? Grande plaine là, c'est génial. Ah, si vous voulez cette grande plaine comme ça, je voulais mettre les coordonnées aussi. Voilà, 783 74 voilà. Vous avez les coordonnées à vous mettre en pause et allez voir ces coordonnées là, vous verrez par vous même hein. Franchement, rien à dire. Attendez, j'ai pris de la bouffe, c'est pas pour moi. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Tac, 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 tac. Oh, il y a un portail du Nether. Oh là là, il y a un portail du Nether. J'en ai vu un. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Mais j'en ai vu un. Ah, ils sont sur les arbres. Je sais pas pourquoi il y a un portail numéro là. Me demandez pas pourquoi. Là, c'est bien un portail numéro. Je sais pas où est-ce que ça me mène. J'ai envie d'hésiter. J'hésite à y aller en fait. J'hésite réellement à y aller.
C'est un peu quand je suis allé dans le portail de l'abeille, je me suis retrouvé coincé à cause des blocs de terre qui bloquaient le portail. Donc je pense que je vais pas y aller parce que bon, j'ai pas envie de tout perdre, mais j'ai énormément de choses. Puis voilà. Ah, même les blocs de charbon, ça sortent, mais nickel. Ah, la nature est beau, hein. C'est très 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 beau. Là on va monter par là. Ah toi. Désolé les amis, j'ai mis beaucoup de mémoire sur mon disque dur, pareil que je le vide d'ailleurs. Désolé. Bon, du coup, je vous disais donc que c'est foutu la main, vos tortilles à la gueule, comme ça. C'est ouf, hein. Regardez, regardez. Ça fait des dégâts quand même ça, regardez le nombre de dégâts que ça fait. Elle est pas morte. D'ailleurs, attends. J'ai pas vu ça. Ouh. Il fait pas là. Bon, ce que je pense, les amis, c'est qu'on va s'arrêter là, les amis, parce que à force de marcher, je trouverais rien grand chose. Je trouverais pas grand chose. Hein, voilà. Donc je vous dirai ça dans les prochaines vidéos directement si j'ai trouvé quelque chose d'autre d'intéressant. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait grand plaisir, un petit commentaire, et n'hésitez pas aussi d'aller voir sur ce serveur, de rejoindre le Discord aussi, parce qu'il y a un Discord, je vous enverrai le Discord dans la description du serveur. N'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et à venir rejoindre le serveur aussi, ça ferait grand bien pour Chico Hit. Sur ce les amis, bye tout le monde, portez-vous bien et à bientôt. Bye tout le monde.